Auditeurs et auditrices de la Voix des Grands Lacs, bonjour. Nous avons aujourd'hui comme invité le professeur Jean-François Akandji-Kombé, qui est de Centrafrique, et que nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Eh bien, c'est la première fois qu'on se rencontre sur cette chaîne, hein, et plusieurs auditeurs m'ont suggéré, en fait, puisque je n'étais pas au courant de l'action que vous menez au service et au profit de la démocratie et du peuple centrafricain, ils m'ont dit, mais il y a un professeur centrafricain qui n'est pas dans la politique, mais qui défend vraiment les intérêts de son peuple et surtout de la constitution centrafricaine. Et donc, c'est le lieu aujourd'hui de vous présenter à nos auditeurs pour qu'ils sachent à qui ils ont affaire. Dans toutes vos facettes, professeur de droit, est-ce que vous faites de la politique? Je sais que vous faites partie de la société civile aussi, et bien d'autres domaines que vous pourriez nous présenter. Tout d'abord, permettez-moi de saluer vos téléspectateurs ou vos spectateurs, vos auditeurs, et de vous remercier hein, pour l'invitation que vous me faites aujourd'hui pour un média qui est porteur pour un espace dont mon pays fait partie intégrante, c'est-à-dire les Grands Lacs. La République centrafricaine fait partie de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs et je me sens flatté et honoré de pouvoir y parler, en tout cas communiquer avec les compatriotes de cette vaste zone. Je suis, comme vous l'avez dit, vous avez pratiquement tout dit, je suis professeur de droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais surtout, je suis un citoyen centrafricain engagé pour un meilleur avenir de son pays et de mes compatriotes. Et pour cela, à mes yeux, cela passe par une meilleure gouvernance de notre pays. Et à ce titre-là, j'ai fondé, je préside un mouvement citoyen qui s'appelle Citoyens debout et solidaires, Centrafrique. Et Citoyens debout et solidaires participe depuis le mois de juin à une coalition que nous avons dénommée le G16, pour dire groupe d'action des organisations de la société civile pour la défense de la Constitution, et nous avons entrepris un certain nombre d'actions parce que le moment où vous m'interrogez est un moment crucial pour la République centrafricaine, je dirais presque un moment de bascule soit du bon côté, soit d'un côté si mauvais qu'on ne pourra plus s'en relever. Et donc, voilà, je m'arrêterai là pour la présentation. Les autres facettes importent peu. Ce que je suis fier de dire, c'est que je suis citoyen centrafricain et citoyen de l'Afrique centrale et des Grands Lacs. Merci beaucoup, professeur. Ceux qui veulent vous connaître davantage pourront aller sur YouTube, hein, ils trouveront plusieurs de vos entrevues ou interviews accordées à plusieurs médias, TV5, Africa 24. Et sur votre chaîne YouTube, d'ailleurs, il y a pas mal d'éléments qui peuvent les aider à savoir à qui ils ont affaire et pourquoi vous luttez pour faire passer la parole de votre peuple. D'ailleurs, je signale en passant que si je vous ai contacté, c'est parce que j'ai appris que le samedi 13 août, il y aurait une manifestation de Centrafricains à Paris devant l'ambassade du Rwanda. Est-ce que vous êtes informé de cette initiative, professeur? Non seulement je suis informé, mais j'en suis partie prenante. J'en suis partie prenante parce que c'est une initiative qui, non pas pour une fois, mais une des rares fois, c'est une initiative, je dirais, inclusive, qui inclut les Centrafricains de la diaspora, toutes organisations confondues, qui ont décidé de se mobiliser pour dire non à l'intervention et à l'ingérence du Rwanda, c'est-à-dire du gouvernement rwandais présidé par le président Kagame, dans les affaires intérieures de la République centrafricaine, pour dire les choses plus pratiquement, l'engagement du président rwandais de soutenir la modification de la Constitution ou la rédaction d'une nouvelle Constitution pour un pouvoir à vie du président Touadéra. Et nous nous opposons, bien sûr, en premier à notre président que nous n'avons pas élu pour cela, mais dès lors qu'il y a un pays qui est censé être un pays frère, d'ailleurs,
nous y reviendrons, qui intervient dans ce qui est qualifié par notre propre constitution de changement anticonstitutionnel de gouvernement, évidemment, nous ne pouvons que étendre le combat vers cet horizon-là. Eh bien, voilà une information que les gens doivent comprendre et prendre dans sa juste mesure, parce que lorsqu'un professeur d'université de droit de surcroît prend l'initiative d'organiser une manifestation, c'est que cela a du sens et c'est que cela a un sens et que c'est important pour justement faire passer le point de vue de la population et du peuple, de la masse. Mais il n'y a pas que le Rwanda en Centrafrique, on parlera aussi de Wagner, on parlera du troisième mandat naturellement. Mais je voudrais aussi vous demander de nous dire un mot, juste en passant, avant d'entrer en profondeur plus tard, un mot sur une pétition que vous avez lancée là aussi sur Internet. Je crois que c'est en faveur de la démocratisation. Alors, c'est une des initiatives que le G16 a prises, mais que le G16 entend élargir au niveau de tous les citoyens centrafricains qui le veulent, qui sont de bonne volonté. Le G16, l'organisation dont je parlais tout à l'heure, dont je suis le coordonnateur international, a pris l'initiative d'introduire un recours devant notre Cour constitutionnelle contre, pour le dire plus simplement, contre le projet Sango Coin, qui est le projet de crypto-monnaie centrafricaine, parce que, non pas parce que le G16 serait par principe contre une évolution vers la crypto-monnaie, mais parce que ce dispositif qui est mis en place est un dispositif où l'élément d'appel, d'une certaine manière, pour faire acheter de la crypto-monnaie, c'est la nationalité centrafricaine, ce sont les terres centrafricaines, et c'est le sous-sol centrafricain, autrement dit, le gouvernement et le président Touadéra proposent aux investisseurs d'acheter la citoyenneté centrafricaine, les terres centrafricaines et le sous-sol centrafricain, ce que nous considérons non seulement comme un crime de haute trahison vis-à-vis de la République centrafricaine, mais comme anticonstitutionnel. Nous n'avons pas souhaité aller sur le terrain, nous n'avons pas décidé d'aller sur le terrain de la haute trahison parce que notre action est dans le cadre de la Constitution. Et la Constitution prévoit une procédure pour la haute trahison, et c'est une procédure essentiellement politique qui démarre à l'Assemblée nationale. Et nous, en tant que citoyens, ce que nous pouvions faire, c'est attaquer cette décision-là pour en demander l'annulation. Et dans le même temps, nous adressons un appel fort et insistant aux acteurs politiques, aux partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale, pour qu'ils prennent leurs responsabilités, parce qu'il s'agit de mobiliser tous les efforts et d'utiliser tous les leviers de pouvoir et de responsabilité que notre Constitution nous donne. Est-ce que par solidarité, des noms centrafricains ont le droit de signer la pétition ? Alors, c'est cette partie-là que j'ai oublié de signaler. Donc, la pétition est initiée par le G16 et portée par six requérants. Et nous avons souhaité y associer les autres citoyens centrafricains. Nous aurions été très heureux pour une pétition plus large d'appeler tous les Africains et tous les amis de la République centrafricaine et sincères de l'Afrique à signer. Mais dans le cas présent, nous appelons seulement les citoyens centrafricains, puisqu'il s'agit de s'associer à un recours devant une cour constitutionnelle qui est la Cour constitutionnelle de République centrafricaine. C'est tout à fait juste et compréhensible d'ailleurs dans le cas présent, parce que les militants, surtout les panafricains, ils ont l'habitude de signer tout ce qui se rapporte à la vie du citoyen africain. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment un problème national. Il vaut mieux que ce soit signé par les centrafricains qui vont suivre d'ailleurs, j'espère nombreux, cette émission et qui signeront. S'ils ne sont pas, je mettrai le lien de la pétition à la fin de l'émission sur YouTube. Comme ça, ceux qui décident de signer peuvent le faire à partir de là. Je vous en remercie par avance. Non, il n'y a pas de quoi. Alors, avant d'entrer dans le vif des sujets, parce que nous en aurons justement plusieurs, comme vous l'avez dit, j'aimerais, professeur Akandi, que vous nous parliez de la Centrafrique. Vous savez, au Rwanda, par exemple, lorsqu'on parle de Centrafrique, on voit Bokassa.
Parce qu'avant d'être limogé ou chassé par, je ne sais plus qui, la France peut-être, il venait du Rwanda à un sommet France-Afrique. Je me rappelle que j'étais à l'aéroport au moment de son départ, jeune fonctionnaire, et un journaliste français qui s'appelait Jean-Yves Loiseau lui avait posé la question justement de savoir s'il avait fait ce qu'on l'accusait d'avoir fait, c'est-à-dire de manger de la chair humaine, surtout d'avoir tué des enfants. J'ai vu l'empereur Bokassa pleurer devant les caméras et devant nous. Pleurer, quand je dis pleurer, c'est pleurer. Et ça a marqué beaucoup les Rwandais. Ce n'est pas une image nécessairement à préserver pour la Centrafrique, mais c'était un chef d'État qui est passé, qui a été au pouvoir. Avant lui, il y avait d'autres. Il y a eu Boganda, le symbole de la révolution africaine et de l'indépendance. Il y en a eu beaucoup d'autres. Je ne vais pas tous les citer, mais aujourd'hui, nous avons justement le président Touadéra. Alors, Touadéra. Voilà. Et quelle est la situation actuelle en Centrafrique, politiquement parlant? Est-ce que les guerres qu'on y a vues, disons, ces dernières années, on a connu plusieurs guerres, en fait. Est-ce que tout ça est terminé grâce à l'intervention du Rwanda, grâce à l'intervention de Wagner et de l'armée centrafricaine et de la MINUSCA? Est-ce que tout ça est derrière nous? vous avez commencé à me par me demander de vous présenter, de présenter la République centrafricaine et en citant l'image du pays lorsqu'on parle de notre pays à l'étranger. Et c'est vrai, il est déplorable que lorsque on parle de la République centrafricaine, il n'y ait que ces images-là qui restent. La République centrafricaine, c'est un pays qui se trouve au cœur de l'Afrique, qui fait 623 000 kilomètres carrés, qui est habité par 5 millions de Centrafricains, qui sont essentiellement, pour l'essentiel, ce sont des agriculteurs et des éleveurs, avec une population au départ qui était essentiellement rurale, essentiellement dans les provinces, mais les crises ont fait en sorte qu'aujourd'hui nous avons une capitale Bangui qui est particulièrement saturée. Parce que, en fuyant les exactions, en fuyant les combats, beaucoup de compatriotes ont quitté les provinces, qui sont des zones de combat, pour venir se réfugier à Bangui. Et la République centrafricaine, a commencé sa vie. Demain, nous serons le 13, hein, nous serons le 13 août, et c'est la date de la commémoration de notre indépendance. L'indépendance qui a été proclamée et pour lequel notre premier président Barthélemy Boganda s'était battu et s'était battu dans un sens avec un projet qui était un projet panafricain. On peut le discuter sur certains aspects, naturellement, c'est l'histoire qui veut cela et je pense qu'il est toujours bien d'avoir un regard lucide, mais on ne peut pas enlever à Barthélemy Boganda cette part-là de contribution à l'idée d'une fédération africaine et d'une fédération africaine et je continue à penser qu'aujourd'hui il avait vu juste, y compris pour les temps présents, y compris pour les temps présents parce que pour pouvoir peser dans les affaires du monde, nous devons nous réunir et nous devons atteindre la masse critique et la puissance critique pour pouvoir résister. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les panafricains sincères ne militent pas pour autre chose, hein, au niveau, que ce soit au niveau de l'Union africaine ou que ce soit au niveau sous-régional. Maintenant, la République centrafricaine est aussi un pays qui est déchiré, meurtri, par les différentes crises successives. Et en dessous de ces crises successives, c'est-à-dire en dessous de ces cendres des crises, il y a le destin de Centrafricains, d'hommes et de femmes, de jeunes, de moins jeunes, surtout des jeunes. Un destin qui est aujourd'hui improbable. Des jeunes qui sont sans avenir, sans travail, sans avenir, sans perspective. Mais surtout, cette crise a conduit à ce que le pays est déchiré. Beaucoup de Centrafricains aujourd'hui, à peu près le quart de la population, se trouvent en situation d'être des réfugiés dans les pays alentours ou au-delà, ou d'être déplacés sur le territoire centrafricain même. Et aujourd'hui, bon, selon un certain discours officiel,
la crise est finie. Mais la crise ne sera jamais finie tant qu'il y a des exactions dans nos provinces. Tant que les populations continuent à souffrir dans leur corps et dans leur chair, tant que les populations ne peuvent plus vaquer à leurs occupations ordinaires, je vous disais tout à l'heure, l'agriculture, le commerce, l'élevage, ce n'est pas fini. La crise n'est pas finie. Et notre crainte aujourd'hui, face au pouvoir du président Ouadéra, un pouvoir qui a été voté massivement par les Centrafricains, en tout cas qui avait été accueilli par les Centrafricains, face à un pouvoir qui s'est concentré sur Bangui et sur une élite de la société qui a ses intérêts, qu'on essaie de défendre à tout prix, nous y reviendrons tout à l'heure, à travers différents processus. Face à cela, pour nous, le plus important, c'est de défendre, derrière la défense de la Constitution, c'est de défendre le Centrafricain sur sa terre. C'est de faire en sorte que le Centrafricain ait son mot à dire et que son mot soit prioritaire sur sa terre. Même quand il est pauvre, même quand il est miséreux, il est Centrafricain et c'est sa terre. Celui qui vient avec ses milliards, ou autant de sommes qu'il veut, autant d'argent qu'il veut, il vient sur la terre d'autrui, la terre du Centrafricain, et on doit le respecter comme tel. Et c'est la raison fondamentale de notre combat, parce que ce n'est pas, je suis professeur de droit, on parle de constitution et on parle de recours constitutionnel, mais le fond de cette lutte-là n'est pas du juridisme. Il s'agit de défendre la chair, le sang des Centrafricains. Le Centrafricain fait corps avec sa terre, il fait corps, son identité est exprimée à travers sa nationalité. Ça ne veut pas dire que nous sommes pour qu'on ferme le pays et que d'autres personnes, des étrangers, ne puissent pas accéder à la nationalité. Mais il y a des conditions qui sont posées dans notre loi et qu'on essaie de contourner aujourd'hui. Et donc, pour terminer sur votre question qui concernait les crises, notre hantise aujourd'hui, c'est que le président Ouadéra est en train d'allumer des feux par inconscience, dont il ne sait pas ce que ça peut devenir demain. Et nous risquons d'assister à une autre crise autrement plus grave, et nous y reviendrons peut-être tout à l'heure, autrement plus grave aussi parce que ça risque d'embraser la sous-région, d'embraser d'autres pays que la République centrafricaine. Et c'est la raison de notre combat aujourd'hui, et ce combat-là, nous entendons le mener jusqu'au bout, même si ce n'est pas facile, même s'il y a des menaces, y compris des menaces de mort, mais nous préférons mourir sur la terre qui nous appartient encore, plutôt que demain de rester vivants et esclaves sur la terre qui nous a appartenu hier. Merci pour cette précision. Lorsqu'on parle souvent de Centrafrique, les gens ne pensent qu'au diamant, mais la Centrafrique, ce n'est pas que le diamant. La République centrafricaine, c'est un pays riche, sol, sous-sol et d'autres sources de richesses auxquelles les Centrafricains devraient aspirer, effectivement, si c'était un pays pacifié totalement, ça serait. Un autre élément auquel on ne fait pas souvent attention, tout à l'heure, vous avez souligné que la République centrafricaine faisait partie de la CIRGL. Mm-hmm. Beaucoup ne le savent pas ou ne le savaient pas. Parce que la région des Grands Lacs, on a tendance à la limiter aux trois pays, Rwanda, Burundi, Congo. Mm-hmm. Et je signale que la RCA a plusieurs voisins, et pas des voisins, n'importe lesquels. Bien sûr, au sud, il y a les deux Congos, la République du Congo, Brazzaville, et puis Kinshasa. Au nord, il y a le Tchad. C'est un pays qui est souvent en turbulence aussi, un pays très important géographiquement, géopolitiquement. À l'est et au nord, il y a le Soudan et le Sud-Soudan. Je crois que comme voisin, on n'a pas mieux. Et donc, cela... Sans oublier le Cameroun, bien sûr. J'ai oublié le Cameroun à l'ouest. Ah oui, j'ai oublié le Grand Cameroun. Oui, la Centrafrique est au milieu d'un vaste territoire de richesses, aussi bien en hommes,
qu'en ressources multiples. C'est peut-être cela aussi, malheureusement, qui fait que votre pays a souvent connu des crises qui l'empêchent d'avancer en réalité. Le voisinage, tout simplement. Est-ce que Alors, ce n'est que des crises internes ou le voisinage aussi compte dans ce qui est arrivé à la Centrafrique? nous avons, je mentirais devant l'histoire en disant que les pays voisins ont toujours été à l'écart de la crise centrafricaine. Cette crise a été alimentée aussi par des hommes en armes qui sont venus du Tchad, d'autres sont venus du Soudan et du Soudan du Sud. Du Congo, par le passé, nous avons connu également l'appel qui a été fait par notre président aux troupes de Bemba, qui sont venues intervenir en République centrafricaine et commettre un certain nombre d'exactions. Et peut-être que vos auditeurs le savent, il y a eu le procès de Bemba devant la Cour pénale internationale pour lequel il a été relaxé. Ce procès-là concernait des exactions, des faits qui ont été accomplis sur le territoire centrafricain. Et donc, nous sommes je dirais à la fois, par la force des choses, un peu le ventre mou de l'Afrique centrale et une sorte de volcan, de volcan qui menace d'irruption à tout moment. À tout moment. Et nous, en tant que Centrafricains, moi en tant que Centrafricain, mais les compatriotes avec lesquels nous luttons, nous en tant que Centrafricains, nous sommes attachés à ce que notre pays joue un autre rôle dans la sous-région. À partir de deux éléments essentiels, entretenir des relations de confiance fraternelle avec les pays alentours, et travailler avec ces pays à la stabilisation. La République centrafricaine, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, a des frontières, de très longues frontières avec tous ces pays que vous avez cités. Et donc, d'une certaine manière, la République centrafricaine est un peu le levier de leur sécurité ou insécurité, selon que l'on travaille au maintien de relations de confiance avec les uns et les autres. Selon que nous travaillons à des solutions communes pour le contrôle de nos frontières, et pas seulement le contrôle d'un point de vue sécurité, mais aussi pour le développement de nos zones frontalières. C'est par là aussi que passe la confiance. Et donc nous sommes attachés à cette idée-là. Malheureusement, nous sommes obligés de constater aujourd'hui que notre pays est, je dirais, presque en crise avec tous ses États voisins, en tout cas avec la plupart de ses États voisins. Entre la République centrafricaine et la Guinée équatoriale, qui n'a pas de frontière directe avec nous, mais qui est un voisin très très important pour la République centrafricaine, notre diplomatie est en froid depuis cette affaire du coup d'État en Guinée équatoriale, où il y a des soupçons, voire même une condamnation qui touche un proche du président de la République et un conseiller spécial du président Ouattara. Donc, il y a un froid de ce point de vue-là. Les personnes qui ont perpétré ce coup d'État ou d'autres qui ont été accusés, qui n'ont pas encore été jugés, l'ont fait à partir d'un territoire qui est le territoire camerounais, ce qui n'est pas de nature à apaiser les relations. Il y a eu des incidents, des paroles malheureuses de nos propres gouvernants vis-à-vis du Tchad, vis-à-vis des gouvernants du Tchad. Il y a de la méfiance entre nos deux pays. À l'égard du Soudan, pour l'instant, il n'y a rien de très très significatif, mais je ne vais pas faire tout le tour. Mais aujourd'hui, nous avons développé une diplomatie agressive et une diplomatie qui, je dirais, prend la souveraineté par le mauvais bout, hein, à une conception de la souveraineté qui est une conception, je dirais, presque chrysogène. La souveraineté n'empêche pas la coopération entre pays frères. Il n'empêche pas que lorsque nous avons des intérêts communs, nous travaillons ensemble. Or, on fait des choses, on n'informe pas les autres. On procède même à des interventions militaires sur leur sol. C'était le cas avec le Tchad. Lorsque des Wagner se sont introduits en territoire tchadien, par exemple. Bon, heureusement, fort heureusement, nous avons affaire à des personnes qui sont responsables. Cela n'a pas dégénéré, fort heureusement, pour nos deux pays et pour nos deux peuples. Récemment, l'exemple le plus récent, c'est l'affaire de la crypto-monnaie. Vous êtes dans un espace commun qui s'appelle la CEMAC,
Nous sommes dans un espace commun. Nous avons une monnaie avec les autres. Nous décidons de faire cavalier seul et nous prenons une décision qui est de nature à perturber tout le système monétaire et nous ne consultons personne. Nous mettons les uns et les autres devant le fait accompli et nous crions à la souveraineté. La souveraineté n'empêche pas d'être bien élevé. Dans le monde des États, lorsqu'on est bien élevé, on informe ses partenaires, quand on considère que ce sont des partenaires. Donc, quand vous évoquez le positionnement de notre pays, ce positionnement est un atout. En tout cas, nous souhaitons qu'on le transforme en atout de stabilité et en atout de paix. Et ça, cela ne peut passer que par le respect mutuel entre les uns et les autres, le respect aussi de la parole que nous donnons en tant qu'État et par le respect des engagements que nous avons pris lorsque nous ne sommes pas d'accord, bien sûr, les engagements, les traités, vous êtes bien placé, monsieur l'ambassadeur, pour le savoir, prévoient toujours des clauses de retrait avec une procédure pour le faire qui soit de bonne entente entre tous, au lieu de jouer à la politique du boulanger qui veut rouler tout le monde dans la farine en pensant que c'est le plus intelligent, mais en attendant, il est en train de creuser un trou dans lequel notre propre peuple peut tomber. En parlant de coopération, on va citer la Centrafrique comme un pays modèle. Certains citent la Centrafrique, la République centrafricaine, comme un pays modèle qui a des troupes africaines sur son territoire, dont les forces de défense rwandaises, et qui sont arrivées sur une base bilatérale, coopération en matière de défense. Mais quelque part, j'ai vu que la présence rwandaise n'était plus autant appréciée par une partie des Centrafricains, notamment par la société civile et par des partis d'opposition. Moi, je suis du Rwanda. C'est vrai que de notre côté, nous nous demandons parfois pourquoi le Rwanda, qui est en guerre avec pratiquement tous ses voisins, va faire la paix au-delà de nos frontières, dans d'autres pays à 3000 km de chez nous. En Centrafrique, est-ce que la population a gagné quelque chose dans l'intervention rwandaise contre les rebelles? Et qu'en est-il aujourd'hui, en fait? Oui, je vous remercie beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour cette question qui touche à quelque chose, je dirais presque à une fibre extrêmement importante chez nous. La République centrafricaine, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, a sur son territoire, sur son sol, différentes troupes. Mais je me dois de commencer par le commencement. La République centrafricaine de tout temps, depuis l'indépendance, est sans doute un des pays les plus ouverts de l'Afrique centrale, les plus ouverts et les plus libéraux à l'égard des autres frères qui viennent des autres pays. La procédure d'acquisition de la nationalité en est la preuve. Les procédures, les possibilités d'acquisition des terres en sont les preuves également. Nous avons eu dans nos gouvernements, au moins des premières années d'indépendance, d'autres nationaux africains qui n'étaient pas des centrafricains. C'est un pays qui est ouvert. C'est un pays traditionnellement ouvert. Et d'ailleurs, je pense que c'est cette ouverture, peut-être à tout vent, qui a fini par devenir un de nos problèmes. Si on veut revenir sur les origines de la crise, mais je pense que nous n'en avons pas le temps ici, je pense qu'il faut rester ouvert, mais en contrôlant l'accès à notre identité, à notre territoire, etc. Mais les présences que vous avez mentionnées sont des présences de nécessité. Nous étions dans le trou. Le pays était à feu et à sang. Et des nations sœurs ont décidé de venir à notre secours. Le Conseil de sécurité a décidé d'envoyer des troupes. Et des pays amis ont décidé d'y engager leurs propres troupes. Il y a le Rwanda, certes, mais il y a eu aussi le Gabon. Il y a eu le Congo, il y a d'autres pays tels que le Burundi, il y a peut-être l'Afrique du Sud par le passé. Il y a beaucoup de pays africains qui participent à cela et qui sont venus dans ces circonstances-là. Et notre premier réflexe est de remercier cette solidarité africaine
pour s'être manifesté de cette manière-là, pour venir à notre secours. Simplement, contrairement à ce qui s'est passé avec les autres pays africains que j'ai cités tout à l'heure, la problématique rwandaise est différente. C'est une problématique qui a consisté dans un premier temps, à partir de là, à essayer d'adosser à des accords de coopération. Les accords de coopération sont une excellente chose, je le dis ici, sont une excellente chose. Mais il se trouve que le premier accord qui a été signé dès le début du premier mandat du président Ouadéra était un accord cadre de coopération qui comprenait notamment des dispositions quant à l'exploration et à l'exploitation minière. C'est un élément important. Cet accord, je le dis ici pour nos auditeurs, alors que la Constitution oblige à la transparence à l'égard de l'Assemblée nationale, cet accord n'a pas été transmis dans son intégralité à notre Assemblée nationale. On ne sait pas exactement quel deal s'y trouve. Aujourd'hui, rétrospectivement, quand on se place maintenant en 2022 pour observer le résultat de l'application de l'accord de 2017, on s'aperçoit bien qu'il y avait un deal qui consistait en fait à, en contrepartie de ce que le Rwanda apportait, de lui apporter les ressources minières, des ressources forestières et de lui apporter également des terres. Nous avons aujourd'hui cette situation-là qui devient préoccupante. Je dis bien préoccupante. La coopération en elle-même n'est pas en cause, mais nous ne voulons pas que puisse se reproduire ce qui s'est passé dans l'est du Congo démocratique, que la République centrafricaine, alors qu'aujourd'hui le gouvernement du président Kagame a des difficultés face à la communauté internationale, y compris face à ses principaux soutiens au Congo, qu'il puisse venir exploiter sa présence sur le territoire centrafricain à cette fin-là. Et nous avons d'autant plus d'inquiétude que ce qu'on appelle les forces rwandaises en République centrafricaine sont diverses. Nous avons un contingent qui fait partie de la MINUSCA, mais nous avons aussi des forces qui viennent à titre bilatéral, nous dit-on, et qui sont destinées exclusivement à la sécurité du président de la République. Mais il faut bien croire qu'ils ne sont pas seulement destinés à cette sécurité-là, puisque ces dernières semaines, une partie de ces troupes qui a été renforcée a été déployée dans le pays le long de la frontière avec la République démocratique du Congo. Ah oui. Ceci est inquiétant. Ce sont les raisons pour lesquelles nous nous inquiétons. J'y reviendrai tout à l'heure sur notre inquiétude première qui concerne la Constitution, mais puisque vous m'avez posé la question sur la configuration de la présence rwandaise en République centrafricaine, je me devais de vous faire ce tableau-là. Il se trouve, et je terminerai par là, que si nous nous levons aujourd'hui contre une forme de présence rwandaise, ce n'est pas contre la présence de nos frères rwandais en République centrafricaine. La République centrafricaine, lors du génocide, a été un pays qui a recueilli beaucoup de réfugiés rwandais qui sont venus, qui se sont installés, et vous avez dû l'observer, il n'y a eu aucune difficulté majeure. La République centrafricaine entend poursuivre avec tout le peuple du Rwanda des relations de cette nature-là. Mais nous sommes obligés de nous rendre à l'évidence, ou en tout cas d'être vigilants, parce que quand bien même nous pouvons professer le panafricanisme, l'amitié entre les peuples africains et la fraternité entre les peuples africains, un État reste un État a des intérêts, et l'impérialisme n'est pas seulement occidental ou oriental, il y a un impérialisme africain. Et nous n'en voulons pas sur notre sol. Vous parlez de la présence des forces rwandaises tout au long de la frontière congolaise, la RDC. Il y a eu un déploiement récemment, oui. La distance n'est pas grande, hein, c'est juste l'Ubangi qui sépare les deux, je pense. C'est bien cela. C'est du côté de Badelité ou c'est un peu plus… Alors, il y a tout le long du fleuve, ça touche notamment les zones de Mobaye, de Bangassou, ça va jusqu'à Bangassou, Zemio, dans le Mbomou et le Hombomou,
Ekbadolité est en face. Tout à fait. Tout à fait. Ekbadolité est en face. Je connais un peu cette région, mais à partir de Badolité, pas. Je n'ai jamais été de l'autre côté en Centrafrique. Je viens, je vois bon, vous il faut dire qu'on le me nom. comprenne. Alors, permettez-moi de rajouter quelque chose. Je voudrais que vos auditeurs nous comprennent très bien. Nous ne faisons de procès d'intention à personne. Mais nous sommes au fait des relations diplomatiques internationales où on n'avoue jamais ce que l'on fait réellement et on laisse les peuples le découvrir, comme c'est le cas au Congo, 20 ans, 30 ans plus tard. C'est trop tard. Il y a eu des millions de morts. Il y a eu une déstructuration de toute la société. Et nous avons le devoir, dans un pays qui a déjà beaucoup souffert, d'être éveillé et d'être même éveillé quand les autres dorment. Même si certains de nos compatriotes ne le comprennent pas, nous avons cette obligation-là de mener le combat aujourd'hui. Cela rappelle naturellement la présence des troupes de Jean-Pierre Bemba en Centrafrique à l'époque, hein, et tout ce qui s'y est passé. Et les Centrafricains, effectivement, je suppose qu'ils ne sont pas très, très demandeurs qu'une telle situation se répète. Nous n'en sommes pas demandeurs du tout, d'autant plus que de toutes ces crises, y compris de la crise avec les Banyamulenge de Jean-Pierre Bemba, nous avons des victimes qui attendent encore qu'on leur fasse justice aujourd'hui. Pas seulement à la Cour pénale internationale, même notre propre justice n'a pas été diligentée par nos gouvernants pour faire justice à nos propres frères et sœurs qui ont souffert de cela. Et lorsque je dis que nous ne voulons pas de cela et que nous devons être vigilants, nous le devons d'autant plus que, pour revenir à l'actualité, comme vous le savez, il y a eu une première salve de réaction des citoyens centrafricains. Moi-même, je m'étais exprimé sur ce point-là. Nous avons eu droit à la sortie du ministre des Affaires étrangères du Rwanda pour dire, pour démentir, bien sûr, et pour dire que sa coopération avec la République centrafricaine, c'était au profit, avec le gouvernement, au profit du peuple centrafricain. Nous l'avons entendu. J'avais été interrogé une deuxième fois après son intervention et je m'étais exprimé en disant que je le prends au mot, mais nous avons un devoir de vigilance et que nous ne jugerons que sur les faits. Or, un des faits récents, nous sommes le 12 aujourd'hui, le 8, c'est-à-dire il y a 4 jours, ce ministre des Affaires étrangères s'est rendu presque clandestinement à Bangui pour avoir des entretiens et apporter tout son soutien, le soutien de son gouvernement et de Paul Kagame à l'opération de changement constitutionnel en cours, en se réjouissant des premiers éléments qui avaient été posés par le gouvernement. Et les premiers éléments, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'achat de la corruption de citoyens à coût de 1 000 francs CFA, 2 000 francs CFA, pour organiser une marche grandiose et prétendre que la demande de modification de la Constitution provient du peuple. C'est une manière de mépriser son propre peuple. Et le ministre des Affaires étrangères, qui avait donné sa parole d'homme, que son pays ne participerait pas à cela, persiste, est revenu en République centrafricaine pour cela. Donc, nous ne prenons pas comme parole d'évangile ce que peut dire le diplomate, le chef de la diplomatie du Rwanda aujourd'hui. C'est peut-être un peu le modèle rwandais aussi que le président Touadéra risque d'abord de faire entrer au Congo, plutôt en Centrafrique justement, parce que il y a quelque temps, 2-3 semaines à peine, le président Kagame déclarait qu'il était prêt à reprendre la direction du pays pour une vingtaine d'années. Donc, mais en 2020, nous ne sommes pas naïfs sur ce point. Nous ne voulons pas nous ingérer dans les affaires rwandaises, mais nous suivons l'actualité africaine. Et ce que vous êtes en train d'expliquer, nous sommes informés également, non seulement pour ça maintenant, mais nous sommes informés aussi que c'est la manière dont le président Kagame avait procédé pour pouvoir changer la constitution rwandaise et rester au pouvoir. Il avait commencé par susciter l'appel du peuple. Le peuple rwandais, paraît-il, s'était levé, mais on voyait très bien qu'il n'y avait aucune spontanéité dans cette demande du peuple et qu'on avait manipulé
Mais nous ne nous sommes pas exprimés là-dessus. Nous compatissons naturellement avec les frères rwandais qui subissent cela. Mais dès lors qu'il vient chez nous pour essayer de vendre ça, nous ne voulons pas du modèle rwandais de mauvaise gouvernance, de manipulation de l'opinion et de diffusion à travers l'Afrique d'un impérialisme qui est anti-panafricain, anti-panafricain. On ne peut pas construire la fraternité sur cette base-là. La coopération rwando-centrafricaine comprend plusieurs volets. Il y a bien sûr la convention ou le contrat sur l'envoi de troupes, MINUSCA, plus la partie bilatérale. Il y a aussi des contrats sur les terres, sur la nationalité, des contrats sur plusieurs domaines qui, je pense, ne sont pas très appréciés par une partie de l'opinion centrafricaine. J'ai vu des documents passer, des pétitions. J'ai vu notamment parler de l'aspect nationalité que les Rwandais qui viennent de Kigali, bien sûr, peuvent acquérir la nationalité quand ils le désirent et à n'importe quel prix. Que lorsqu'ils investissent en Centrafrique, ils ont plus d'avantages que les nationaux et beaucoup d'autres choses. Est-ce que cela est vrai ou est-ce une exagération de l'opposition centrafricaine? Alors, cela est vrai. Dans les faits, aujourd'hui, vous savez, il y a quelque chose qui est patent. C'est la réalité concrète que voient les Centrafricains, notamment ceux de Bangui. Les Rwandais dont nous sommes en train de parler viennent d'abord sous le couvert des forces de la MINUSCA ou des forces bilatérales, en tant que militaires, hein, en active et puis en mission. Ils viennent d'abord de cette manière-là. Ensuite, ils repartent, d'ailleurs, ils repartent et ils reviennent. Et ils préparent le terrain, ils achètent de vastes terrains. Ils achètent, par exemple, dans la région qui borde Bangui, c'est-à-dire dans la Lobaye, nous avons des sociétés rwandaises, qui sont des sociétés d'exploitation du bois, des sociétés d'exploitation minière, etc. Et évidemment, nous sommes dans une sorte d'entre-soi entre le président Touadéra et ces personnes-là, et le président Touadéra brade la richesse centrafricaine et les terres centrafricaines de cette manière-là. Mais je dois à la vérité de dire que, il y a le cas du Rwanda, mais le problème que vous soulevez est un problème beaucoup plus général. Nous combattons actuellement ce que nous appelons une braderie mondiale que le président Touadéra a conçue et qu'il est en train de mettre en œuvre. Une braderie mondiale de la nationalité centrafricaine, des terres centrafricaines et du sous-sol centrafricain à travers le projet, à travers le Sangocoin, c'est-à-dire la monnaie virtuelle qui a été créée. Le dispositif, c'est lequel? Il est simple, hein. Vous achetez des Sangocoins pour un montant de 60 000 dollars, vous avez automatiquement la nationalité centrafricaine. Vous achetez des Sangocoins pour 10 000 dollars, vous avez l'e-résidence, ce qu'ils appellent l'e-résidence. Vous achetez pour, je crois, 20 000, je crois que c'est 10 000 aussi, vous avez un lopin de terre, vous avez un bout de terre. Et on prévoit, là pour l'instant ce n'est pas encore très précis, on prévoit ce qu'ils appellent la tokenisation, ce qu'on appelle dans le monde des crypto-monnaies la tokenisation, c'est-à-dire finalement, l'achat d'un certain nombre de Sangocoins donnera droit à une part des ressources du sous-sol centrafricain ou des ressources naturelles, puisqu'il y a aussi les forêts et les bois. Hein. Et donc, c'est ce dispositif-là, c'est pour ça que nous appelons cela une braderie mondiale. Prenons une hypothèse, prenons juste un cas de figure. Je m'appelle, par exemple, je ne dirai pas son nom, le patron de Tesla, par exemple, qui est américain. Qui est américain, originaire d'Afrique du Sud, et qui récemment avait exprimé l'envie d'acheter, par exemple, Twitter. Et il avait dit, je mets sur la table 40 milliards de dollars. Imaginons qu'il décide de faire la même opération avec la République centrafricaine. Il met 40 milliards de dollars sur la table. Vous le divisez par 60 000 dollars. Vous faites combien de citoyens centrafricains aujourd'hui?
on peut de cette manière-là nous effacer de la République centrafricaine. Les fortunes, les grandes fortunes de ce monde, y compris les fortunes mafieuses de ce monde, peuvent décider de venir prendre le pouvoir dans notre pays en passant par ça. En passant par ça. Et dès lors qu'ils auront le pouvoir politique, ils ont déjà les terres. Ils peuvent acheter aussi les terres. Ils ont le sous-sol. Aux Centrafricains que nous sommes aujourd'hui, il restera quoi ? À part être des esclaves dans les mines pour les autres, pour cultiver les terres pour les autres, et pour obéir à des lois qui auront été votées par les autres. Je dis que ce n'est pas seulement de l'inconscience, il y a des inconsciences qui sont criminelles de la part du président Touadéra. On peut vous rétorquer que la Centrafrique, enfin la République centrafricaine n'étant pas suffisamment habitée, parce que c'est quand même 630 000 km² pour 5 millions d'habitants, alors que le Rwanda, c'est 26 000 km² et 13 millions d'habitants. 5 millions pour la Centrafrique avec 630 km². J'entends le raisonnement et d'ailleurs, on l'entend déjà. Voilà. Moi, je pense et je dis que la première richesse de la République centrafricaine et donc notre première ressource qui fait partie de notre patrimoine national, c'est ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire notre capacité à disposer de vastes terres. C'est notre chance, notre patrimoine en tant que Centrafricain. Nous pouvons l'étendre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la République centrafricaine est un pays qui a toujours été ouvert. Et vous y trouverez d'autres ressortissants, d'autres pays africains qui sont établis en République centrafricaine depuis longtemps et qui exploitent, par exemple, des mines ou qui ont des terres, qui font de l'agriculture, qui font du commerce. Et ça n'a jamais posé de problème. Mais cette manière de le faire automatiquement, en passant par-dessus la loi sur la nationalité, en violant les dispositions de la Constitution sur les ressources naturelles, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et si vous voulez bien, tout à l'heure, nous reviendrons sur la question du troisième mandat quand vous poserez la question, parce que ce qui se passe en République centrafricaine, c'est une réinvention en pire de la problématique du troisième mandat. La Constitution de République centrafricaine, celle de 2016, pour la première fois, prévoit que le sous-sol et le sol centrafricain sont des éléments de la souveraineté du peuple. C'est la première fois que c'est écrit. Et le constituant en a tiré la conséquence dans un article, qui est l'article 60, en son paragraphe 2, où il tire la conséquence en disant « Tout accord sur les ressources naturelles, toute convention sur les ressources naturelles ou toute convention financière doit obtenir au préalable une autorisation de l'Assemblée nationale. Et le contrat, quand il aura été signé, doit être publié. » Et ça, ça vient du forum de Bangui. Ce sont les Centrafricains qui l'ont demandé. Ils voulaient de la transparence pour mieux y voir dans qui va venir exploiter leurs ressources et comment sont gérés les bénéfices de cela. C'est ça qu'on a cherché à contourner, non seulement à contourner, mais à rayer de la carte du droit centrafricain à travers le dispositif du Sangokoin. Et c'est cette manière-là de se défier de la volonté des Centrafricains, de mépriser même la volonté des Centrafricains, de considérer que le Centrafricain n'est rien dans cette opération qui se fait d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, c'est depuis le mois de mars, hein. Nous sommes aujourd'hui en août, nous sommes en août, à la mi-août. Le gouvernement n'a fait aucune campagne d'explication ou de sensibilisation sur les enjeux du Sangokoin à destination de la population centrafricaine. Et on voudrait que nous restions sans rien dire. On ne fait pas le bonheur du peuple en le faisant dans son dos et en catimini. Si on le fait en catimini, c'est qu'on a d'autres choses à se reprocher. D'après vous, qu'est-ce qui se cache derrière s'agit-il d'une volonté délibérée d'installer une dictature qui s'occupe très peu des intérêts du peuple? S'agit-il d'intérêts personnels de la gouvernance actuelle? Quels peuvent être les intérêts
du président Touadéra à céder le territoire centrafricain à des étrangers, à des groupes d'étrangers. C'est peut-être aussi pour, comment dire, accélérer le développement de la République centrafricaine. Je le dis tout à fait naïvement, hein. C'est le discours que l'on nous sert. Il s'agit de servir les intérêts de la République centrafricaine et du développement de la République centrafricaine et de la souveraineté de la République centrafricaine. Mais cela fait maintenant pratiquement 4 mois que je les invite à un débat pour qu'ils nous expliquent, par exemple sur la question de la souveraineté. Je suis favorable à ce que nous ayons notre souveraineté monétaire. Quel Africain ne le serait pas? Et donc, si cela implique, et cela impliquera, de quitter la zone du CFA, faisons-le. Mais faisons-le de manière respectueuse des autres, je l'avais déjà dit, mais faisons-le pour acquérir, décider de notre sort monétaire. Dans le système de la crypto-monnaie, la technologie d'abord du blockchain n'est pas maîtrisée par la République centrafricaine. Le président Touadéra se promène à travers le monde pour voir où il va pouvoir installer le dispositif de tokenisation. Ça veut dire que nous, ce ne sera même pas sur notre sol. Les techniciens ne seront certainement pas des techniciens centrafricains, mais ça, ce n'est pas trop grave. La problématique du Bitcoin, ce qu'il y a de révolutionnaire dans le Bitcoin, c'est que ce n'est pas un État qui le gère. Ce sont des communautés d'internautes qui sont sur la blockchain et qui sont des acheteurs de la Bitcoin. C'est eux qui déterminent le coût. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez des mastodontes dans cette communauté. Lorsque aujourd'hui le patron de Tesla fait une déclaration, le taux monte ou il descend, par exemple. N'est-ce pas? Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que nous quittons une servitude, celle du franc CFA, pour épouser une autre servitude. Au profit de qui? De personnes privées, dont la philosophie générale est le libertarisme. C'est-à-dire qu'il ne faut plus donner le pouvoir à des collectivités quelles qu'elles soient. Moi, je doute très fort qu'en Afrique, nous puissions aujourd'hui nous dire, nous allons nous passer de nos communautés. Nos États ne sont pas très forts déjà. On veut les déconstruire par ce moyen-là. Même si on enlève les États, nous avons une réalité sociologique et culturelle qui est communautaire. Et on veut faire en sorte que chacun d'entre nous soit une sorte de nodule philosophique. Je veux dire, ce sont des choses graves auxquelles il faut réfléchir avant de pouvoir se lancer et prévoir les parades avant de se lancer. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Il suffit d'aller sur le site du Sangocoin ou d'aller sur la page, le compte Twitter de Sangocoin ou le compte Twitter du président Touadéra, vous verrez que les spécialistes du Bitcoin ou de la blockchain, ce sont eux-mêmes qui lui expliquent ça, qui expliquent que ceci a été fait contre toute rationalité, même mathématique, alors que nous avons un professeur de mathématiques, n'est-ce pas? Donc c'est de cela qu'il s'agit et c'est cela que nous combattons. Hein, que nous combattons, nous ne sommes pas contre le fait d'avancer, contre le fait de se développer. Hein. Le développement aujourd'hui, expliquer, il faut qu'on m'explique. Aujourd'hui, dans la capitale Bangui, on n'a pas de l'eau potable. Vous voulez circuler dans la capitale, vous n'avez aucune route, aucune avenue, aucune rue, où vous n'avez pas des trous qui ressemblent au jeu que nous appelons le Kisoro chez nous, là, où vous avez plein de trous. Vous n'avez pas d'électricité, ou très rarement. Aujourd'hui, nous sommes obligés, nous sommes à l'extérieur, mais nous échangeons avec nos familles. La famine n'est pas loin de frapper Bangui. Dans un pays qui aurait pu être le grenier de l'Afrique centrale, compte tenu des terres que nous avons, compte tenu des ressources que nous avons
en terre et on veut faire le développement par la crypto-monnaie qui est une monnaie virtuelle sans produire de la richesse, sans créer de la richesse, sans inciter à de l'activité économique. On vend du rêve, mais le réveil va être douloureux et nous voulons éviter ça, cette douleur supplémentaire aux Centrafricains, et c'est la raison pour laquelle nous avons introduit ce recours devant la Cour constitutionnelle et nous espérons que ce débat-là et la décision seront des décisions qui n'intégreront aucune considération politique ou autre. Les amis de Touadéra vont vous répondre qu'il s'agit d'une initiative aussi à essence panafricaniste. Mais ils peuvent le dire, mais si vous permettez, je ne vais pas perdre le temps de votre précieuse émission pour leur répondre ici, parce que cela fait maintenant 4 mois, comme je vous l'ai dit, que je les ai invités à débattre sur ces questions qui sont des enjeux fondamentaux de notre pays. Au premier rendez-vous qui a été fait par Africa Radio, le porte-parole de la présidence qui devait venir n'est pas venu. J'ai failli dire il a fui le débat. C'est exactement ce qui s'est passé. Là, récemment, sur la question de la Constitution, même chose. Donc, je ne vais pas passer du temps ici à essayer de leur répondre. Le jour où ils accepteront de jouer le jeu de la contradiction et donc de la démocratie, enfin, plutôt que d'insulter, plutôt que de lancer des menaces sur les uns et les autres, y compris moi et ma famille à Bangui, ce jour-là, nous nous asserrons comme des compatriotes et nous discuterons intelligemment. Je suis prêt à être convaincu. Mais on ne me convainc pas par les arguments qu'ils utilisent aujourd'hui. Il y a un autre sujet, parce qu'on ne va pas rester que sur la présence des troupes rwandaises ou autres, mais il y a aussi des troupes non gouvernementales qui stationnent en Centrafrique, notamment Wagner, si vous voulez qu'on en parle pendant 2 minutes peut-être aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Le G16 en dit quoi du Wagner? Là-dessus, la position du G16, le G16 n'existait pas à l'époque où il y a eu la vaste mobilisation contre les Wagner, la présence des Wagner. Pour revenir en contexte, la République centrafricaine a signé un accord, en tout cas le gouvernement et le président Touadéra nous ont dit avoir signé un accord ou des accords avec l'État russe, ce à quoi nous ne sommes pas opposés. La coopération d'État-État, ça nous paraît normal, ça nous paraît même sain parce que c'est respecter notre dignité que d'avoir avec nous une coopération d'État à État et pas avec des gens un peu nébuleux qui sont des sociétés privées, etc. Donc, la présentation qui nous avait été faite était celle-là. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait des hommes en armes qui étaient arrivés, mais que le gouvernement présentait comme des instructeurs. Comme des instructeurs, et des instructeurs, normalement, ils restent dans le champ d'instruction. Il y a des terrains à côté de Bangui, à Berengo, par exemple, où il y a les entraînements. Donc, c'est leur lieu de travail et leur lieu de vie, d'une certaine manière. Et on a fini par les voir, ces instructeurs, se retrouver sur le front, petit à petit. Donc, c'était des forces combattantes. Là encore, nous n'avions rien dit. Mais ensuite, de nos provinces, nous arrivaient régulièrement des images, des vidéos, des informations sur des viols, sur des massacres, sur des exécutions sommaires, sur des vols, notamment dans les zones minières. Donc sur des exactions qui sont commises sur la population par des personnes qui sont censées venir protéger cette population. Mais bien entendu, cela n'aurait pas dû nous étonner. Quand on fait appel à des mercenaires, la définition du mercenaire, c'est que c'est un homme en armes sans foi ni loi. Il n'a aucune foi, il ne connaît aucune loi, il ne respecte aucune loi. Et ceux qui sont en République centrafricaine, les Centrafricains même de province vous diront, ce ne sont pas des Russes, ce sont des gens qui viennent de Tchétchénie, qui viennent d'Afghanistan, qui viennent
de Syrie, ou qui viennent de tous les théâtres d'opération où les Wagner ont été engagés auparavant. Et donc, ces personnes-là sont propres à leurs conditions. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons décidé de réagir. Et nous avons organisé ici, à Paris, une manifestation devant l'ambassade de Russie, cette année, l'ambassade du Rwanda, devant l'ambassade de Russie pour dire non, nous ne voulons pas de cela. Si la Russie nous respecte, la Russie entretient avec notre pays une coopération d'État à État. S'il veut envoyer des troupes, on envoie des troupes russes. On envoie des instructeurs de l'armée russe, de l'armée de Russie, pas des supplétifs qui viennent, qui se servent sur la bête et qui sont en fait un remède qui, je ne dirais pas pire que le mal, mais qui est à l'égal du mal. Au moins. Et donc aujourd'hui, la problématique n'a pas changé. Pour nous, cela n'a pas changé. Nous réclamons cela d'abord au nom du respect que l'on nous doit. Et nous réclamons cela au nom aussi de la sincérité des propos que le président Poutine tient lorsqu'il dit qu'il est respectueux des peuples africains et qu'il entretient des coopérations d'égal à égal qui vont apporter la liberté et la souveraineté aux peuples africains. On ne le fait pas de cette manière-là. Et on ne le fait pas avec des forces dont le président Poutine dit lui-même que ses troupes sont juridiquement interdites sur son territoire. Et donc, s'ils sont interdits sur son territoire, pourquoi c'est sur le nôtre qu'ils viennent commettre ces exactions-là? Donc, notre position n'a pas changé. Là, il y a un nouveau front qui s'est ouvert, mais cet autre front continue. Monsieur le professeur, je vous remercie beaucoup pour l'entretien que nous venons d'avoir ensemble. C'est clair que les personnes comme vous, indignes fils d'Afrique comme vous, nous ne les avons pas souvent. Et c'est vraiment un honneur que vous nous avez fait. Il y a d'autres sujets, bien sûr, que nous aimerions aborder, mais ce sera fait à d'autres occasions, à une autre occasion. Nous n'avons pas parlé de la France, par exemple. La France, dans les bonnes relations qu'elle entretient avec notre région, on pourra en parler sans entrer dans des polémiques futiles, mais nous pourrons en parler dans des émissions futures. On pourra parler de tous les sujets. Rien ne vous interdit, par exemple, d'intervenir sur la RDC ou sur d'autres sujets africains. En tout cas, merci beaucoup d'avoir éclairé nos auditeurs et je vais vous passer quand même la parole pour, si vous avez un mot de la fin que vous souhaitez mettre en exergue en particulier, la parole est à vous, professeur. Vous m'avez remercié, monsieur l'ambassadeur, et je suis touché, mais c'est à moi de vous remercier pour cet espace de parole et d'échange que vous m'avez offert et à travers moi, vous avez offert à tous les patriotes et combattants centrafricains pour une idée concrète et réelle du vrai panafricanisme. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Le vrai panafricanisme, c'est celui qui se soucie de l'Africain où qu'il soit, quelle que soit sa fortune, et qui se dit que sur la terre d'Afrique, même l'Africain le plus misérable doit être maître sur cette terre d'Afrique. Et donc, je vous remercie vraiment infiniment. Je me tiens bien sûr à votre disposition. Je prends bonne note de la proposition que vous me faites, que je saisis au bon, bien entendu. Nous nous retrouverons sur tout sujet qui vous paraîtra utile et les enjeux ne manquent pas dans notre pays, dans notre région, dans notre sous-région et en Afrique pour que nous puissions échanger. Je voudrais terminer en disant que je sais que votre chaîne s'appelle La Voix des Grands Lacs et c'est à cet espace-là que à ces compatriotes-là de cet espace que je voudrais m'adresser ici pour dire que nous, de cette génération-ci et des générations qui viennent après nous, qui vont prendre la suite, donc, nous avons à construire un autre avenir. Nous avons à construire des solidarités sur une autre base. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes contraints de le faire dans la douleur et dans la lutte. Mais je crois qu'il n'y a pas mieux dans la vie que cela pour savoir qui sont ces vrais frères de lutte
et pour une cause qui est une cause commune. Ce pourquoi nous nous battons, c'est aussi, s'agissant du Rwanda qui est votre pays, c'est aussi pour que demain, il y ait des rapports assainis avec le peuple rwandais, avec le peuple congolais. Nous voulons pouvoir nous retrouver autour d'une table sans qu'il y ait des chamailleries entre les uns et les autres sur ce que l'un a fait. On peut faire autrement, y compris par la voie de la coopération. Le Rwanda aurait pu être la puissance qu'elle est en négociant, en obtenant l'accord des gouvernements, en recherchant le bien-être du peuple. Et comme nous observons que ce n'est pas le cas en RDC, nous nous interdisons que ça se reproduise en République centrafricaine. Merci beaucoup, professeur. Je m'engage à faire que la voix du Grand Lac participe à la construction des ponts entre nos peuples, de la région d'abord, de l'Afrique en général et du monde entier, parce que nous sommes des bâtisseurs de ponts. Par ailleurs, nous avons une organisation justement qui s'appelle comme ça, qui porte ce nom. Et c'est vraiment notre objectif. C'est ça le vrai panafricanisme, de bâtir des ponts entre les peuples africains plutôt que de créer des conflits et des haines inutiles. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur.